pour proposer, pour débattre et pour surtout proposer des textes. Voilà. Donc, après la commande publique, parce qu'on remarque aussi important, 80% du patrimoine ou bien de l'architecture du quatre bâti en Algérie, il y a 80% par rapport à celui du public, alors que le public, il est réglementé, alors que le privé n'est pas réglementé. Ça, c'est une faiblesse. D'où l'ordre a émis un décret de la commande publique, de la commande privée, d'accord, cette histoire des honoraires, tout ça, avec le privé. Donc maintenant, les nécessités urgentes qu'on essaie de qu'on va lancer incessamment, et ça va être approuvé ou bien mis en approbation pour le prochain congrès qui va se tenir, je sais pas, on n'a pas encore décidé de la date, dès qu'on décidera, vous aurez... Donc mettre en place une charte nationale sur l'identité architecturale algérienne, à revoir les textes qui gèrent les concours, ça aussi, les textes seuls qui gèrent les concours ont besoin d'un congrès, pas d'une journée. Et favoriser la formation continue, bien sûr. Sur ce, voilà, je vous remercie.